Salam alaikum, bonjour, bonsoir. Oubila mina shaitan wazim, bismillahirrahmanirrahim. Juma Mubarak, j'espère qu'on a passé un bon Juma, qu'Allah accepte nos prières, qu'Allah purifie nos cœurs, ouvre nos esprits. Guinéens et Africains, frères et sœurs, bienvenue sur la page de votre frère, Kingaji 224, Tutu Fou. C'est ici. Et nulle part ailleurs. J'espère que ça va. Voilà, bon début de week-end à tous. Qu'Allah nous protège, qu'Allah veille sur nous. Ah oui. Aujourd'hui, comme toujours et comme d'hab, le King va casser les papos. Le King va casser les papos. C'est le régime bébé. Ah oui. Le régime bébé. Vous savez, il y a deux jours ou trois jours, ces bébés, comme je vous ai parlé dans ma précédente vidéo, ils ont fait sortir co-relancer affaire de Air Guinée pour la personne de notre président Alagui Sellou d'Alain Diallo. Et pourquoi cela? Si vous avez remarqué, il y a des mois, quand l'affaire Air Guinée avait été soulevée par le régime Biberon pour qu'il puisse mettre main sur notre président, et dernièrement, ces mois passés, tout était calme. On ne parlait pas d'affaires de Air Guinée. Tout était calme, non? Vous avez vu, non, que tout était calme? C'était pas comme ça, mes frères et sœurs guinéens. C'était pas comme ça. Tout n'était pas calme pour ça. Parce que le CNRD, oui. Vous allez comprendre que dans tous les États, en tout cas, beaucoup d'États africains, les lois et les règles sont respectées, comme le Sénégal. Est-ce que vous voyez? Personne n'est sans savoir que notre président, y compris nous, sont plusieurs qui sont au pays de la Teranga, pays de l'accueil, pays de fraternité, pays d'amour. Oui, pays d'amour, la Teranga. Donc, pourquoi le CNRD était silencieux sur l'affaire de Air Guinée? Je vous explique. Ces révélations très très importantes qui nous viennent tout droit du Mohamed V, oui, parce que le bébé avait espoir sur cette histoire. Et par la suite, il tentera avec tous ses moyens possibles pour que l'histoire qui a calmé l'affaire de Air Guinée puisse réussir. Et comme cette affaire a échoué et qu'il voit qu'il n'a nullement aucun moyen possible de mettre la main sur l'homme que Dieu a destiné pour diriger la Guinée depuis des années et que le peuple de Guinée refuse, oui, qu'il accède à la magistrature suprême, longue vie mon président, santé, prospérité à vous, parce que tout Guinéen en est conscient que les élections présidentielles de 2020, malgré les conditions à laquelle le peuple est parti, notre président l'a remporté haut les mains. Et on a perdu le même jour plus de 52 jeunes qui ont été sauvagement arrachés à la vie, paix à leur âme. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, le Guinéen ne veut pas ouvrir son esprit. Le Guinéen ne veut pas comprendre cela. Je vous explique, tranquillement, tranquille, assis. Le CNRD, comme ils avaient soulevé affaire Air Guinée, au départ, ils avaient envoyé des espions. Ces espions qui travaillent pour eux, y compris des éléments des services de renseignement, des éléments de l'Interpol et certains éléments je ne veux pas dire ça pour ne pas que les gens disent que ouais, quoi. Parce que les gens disent toujours que ah, tu es raciste. Je ne suis pas raciste. Et certains éléments grecs, avec du fétichisme, je dis bien, avec du fétichisme, certains éléments grecs, avec du fétichisme. Bon, je ne veux pas trop rentrer là-bas. Mais il y a eu plusieurs voyages qui ont été effectués sur Dakar, concernant le président Alagui Sellou d'Alain Diallo.
Est-ce que vous comprenez? Écoutez attentivement. À travers ces voyages, il y a un voyage particulier de négociation très très important que le régime BP avait proposé à l'État sénégalaise qui, par, c'est-à-dire, ses règles, ses attachements à leur règlement, n'a pas accepté cela. Je vous explique. Vous savez, pour aller pêcher en Guinée, il faut ce qu'on appelle, comment j'ai oublié ce nom, j'ai oublié le document, c'est-à-dire attestation comme ça, là, j'ai oublié ce nom. En tout cas, ce document qui permet aux pêcheurs sénégalais d'aller pêcher en territoire guinéen. Vous savez que beaucoup de gens partent pêcher, voilà, la licence. Il faut une licence que l'État guinéen, et cette licence, ça demande beaucoup. Surtout cette licence, aujourd'hui, va être délivrée par le palais ou le ministère de la Pêche. C'est très difficile d'avoir cette licence. Donc, pour que les pêcheurs sénégalais puissent aller pêcher en République de Guinée, il faut qu'ils aient une licence qui va leur permettre d'aller pêcher là-bas. Comme au temps d'Alpha Condé, il y a eu des pêcheurs ou guinéens ou voilà comme ça là qui sont partis sur les côtes de la Guinée-Bissau qui avaient été arrêtés par les Bissagains et après il y a eu des problèmes. Voilà, je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire. Maintenant, il y a 15 pêcheurs sénégalais qui vont quitter Sénégal pour aller pêcher dans les eaux guinéennes. Et ces pêcheurs sénégalais vont être arrêtés par la marine, l'État guinéen, en un mot. Ils vont être arrêtés, mis aux arrêts, on va leur demander la licence. Fort malheureusement pour eux, ils n'avaient pas cette licence-là. Et là, l'État guinéen va découvrir qu'il s'agit que c'est des Sénégalais. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les garder et chercher à rentrer en contact avec l'État sénégalais. Et là, comme ils pensent qu'il peut jouer avec les mentalités guinéennes, des gens qui ont pris des armes pour venir arracher le pouvoir un beau matin au peuple, venir s'imposer, dire que c'est, je fais, s'il n'y a plus ça dans ce pays, il n'y a plus ça dans ce pays, il n'y a plus ça dans ce pays. Ils se sont dit que comme ils peuvent se faire tout à Conakry, ils se sont dit qu'ils peuvent se, ils sont permis à tout faire aussi en terre sénégalaise. Est-ce que vous comprenez? Le régime bébé. Maintenant, ils vont entamer des négociations avec le Sénégal concernant les 15 pêcheurs pour qu'ils puissent les libérer. Et au grand plan, c'est-à-dire au gros plan de ces négociations, on a l'histoire du président Sélou d'Alain Diallo. Uniquement, hein? Est-ce que vous comprenez? Donc, le régime bébé va entamer une négociation de longue durée avec les autorités sénégalaises pour qu'ils puissent échanger. C'est-à-dire, si vous voyez, si vous regardez les films et séries là, et qu'il y a des otages du côté des bons, des méchants, les méchants vont demander à ce que les bons libèrent un de leurs prisonniers quelque part qui est. Est-ce que vous comprenez la chose? Donc, c'est-à-dire qu'ils se sont imaginés dans un film venir tenter de négocier la libération des pêcheurs sénégalais contre l'échange que l'État sénégalais puisse les appuyer concernant la procédure pour pouvoir mettre main sur la personne de Sélou d'Alain Diallo. Ah, régime bébé. Ah, régime bébé. Vous pensez que le Sénégal, c'est comme la Guinée? Ou bien vous pensez que c'est un coup d'État qui dirige ce pays-là? Ce pays, c'est un but, une foi, ensemble. Ensemble, le peuple sénégalais part ensemble. Donc,
Ils vont entamer ces négociations avec l'État sénégalais. C'est l'État sénégalais qui va refuser catégoriquement que, voilà, ça n'a rien à voir, c'est deux choses complètement différentes et que l'État sénégalais ne peut apporter aucun soutien à l'État guinéen par rapport à l'échange des prisonniers, des pêcheurs prisonniers et le cas de Sélou Daré. Le président sénégalais, y compris les autorités compétentes qui étaient chargées de ce dossier, ont carrément montré leur opposition. Et encore plus loin, c'est le tout-puissant, je dis bien le tout-puissant de la présidence, le bébé Amara, qui effectuera un déplacement spécial. Il va même dormir dans un hôtel très connu, à côté de la place de l'indépendance, qu'on appelle hôtel Pullman. Ceux qui savent, ceux qui connaissent Dakar, savent de quoi je parle. Le bébé Amara va séjourner à l'hôtel Pullman, tenter de négocier et accompagner d'une délégation, c'est-à-dire d'un groupe d'espions pour tenter de savoir qu'est-ce que le président Sélou fait, qu'est-ce qu'il mange, ses programmes, il fait quoi, il dort où, il fait quoi. Mais après toutes leurs tentatives, ils vont comprendre que le Sénégal, ce n'est pas la Guinée. Ils vont voir que le Sénégal, ce n'est pas la Guinée. Donc, si vous avez vu que l'histoire de Air Guinée a été soulevée, c'est parce que ces négociations n'ont pas abouti. C'est parce que les missions des Interpol, les missions des services de renseignement, les missions des fétichismes qui ont séjourné au Sénégal pour tenter d'avoir l'homme béni, l'homme saint, l'homme Waliou ont échoué. Alors pour ça, les bébés avaient plus de solutions, plus d'idées. Il faut qu'on retourne à l'ancien dossier, qu'on soulève cet ancien dossier qu'aux affaires Air Guinée. Mais ils savent pertinemment que c'est perdu d'avance parce que l'État sénégalais a été clair et net envers eux pour leur dire que c'est une transition, ce n'est pas un régime légitime, y compris cela n'a rien à voir pour que, voilà, pour dire que l'État sénégalais va prendre le président et le remettre aux Guinéens. Ce n'est pas un criminel, il n'a pas tué, il n'a rien fait, il est libre de vivre au Sénégal comme tout Africain sont les bienvenus dans le pays de la Teranga. Donc si vous voyez que les bébés n'ont plus de solution, ils sont partis soulever un faux dossier datant de 2002 pour dire que il faut qu'on se concentre sur ça parce que leur espoir était sur ce dossier-là concernant les pêcheurs sénégalais qu'ils avaient arrêtés. Comme ils savent que le Sénégal, l'État sénégalais est très attaché à sa population, ils voulaient jouer le jeu de petits bandits pour dire que eux, ils vont avoir le Sénégal. Ils ont compris que eux, ce n'est pas des débutants politiciens, c'est des mûrs en politique et vraiment, c'est un pays stable en matière de politique. Donc, si vous avez vu qu'ils ont réveillé encore à faire de la Guinée, c'est ça. Continuez à envoyer des espions, continuez à envoyer même des féticheurs qui viennent d'Inde là. Ça ne marchera pas parce que l'homme est béni et l'homme ne vénère qu'une seule chose, oui, ou je peux dire qu'une seule personne, l'unique, Al-Khayyou, Allah Jawajal. Et pour ça, c'est le plus savant des savants, le plus magicien des magiciens, le plus fort des forts. Le président Sélou est béni et protégé par celui-là. Rien ni personne ne pourra l'attendre. C'était votre frère, King AG 224, tout fort. Militant, communicant de UFDG, futur président Aladji Sélou Dalein Diallo. Bonsoir chez vous.
et que Dieu protège notre pays. Que Dieu purifie les mentalités guinéennes pour qu'on puisse choisir ce qui est bon pour nous. Pour qu'on puisse enfin savoir ce qu'on veut. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on veut. Si nous sommes en retard, c'est parce que le Guinéen, on ne sait pas ce qu'on veut. Sinon, si nous savions ce que nous voulions, on n'en serait pas là aujourd'hui. King agit tout au fond.